Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin météo ultra complet de votre week-end du samedi 17 et du dimanche 18 août. Et bon, voilà, malheureusement, ça ne s'annonce pas de très bonnes nouvelles. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin météo du week-end par vos contributions. Et on commence tout de suite, une fois n'est pas coutume, avec Zoom 42 qui nous propose cette magnifique photo sur les bords de Loire, du côté de Mably, très certainement en balade une nouvelle fois, notre ami Zoom 42. Très belle photo apparemment, au coucher du soleil, avec cette boule jaune d'or dans le ciel. En ce moment, les couchers de soleil sont magnifiques. Franchement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont époustouflants. D'ailleurs, ça va être presque le terme de la journée et de ce bulletin. Vous allez voir, cette photo est splendide à travers les arbres, le magnifique paysage de la Loire. C'est trop joli. Merci infiniment, Zoom 42, pour cette très très belle photo. Ensuite, une autre très belle photo, celle de Blandine Bariol, qui nous fait profiter de son petit pique-nique avec la vue à Chambre, vue sur les gorges de la Loire. Là aussi, splendide. Très certainement, là aussi, parce que pour un pique-nique, on va pas commencer à 6h du matin, hein. Mais un pique-nique au coucher du soleil, avec cette petite barrière de nuages. Apparemment, peut-être même bien des orages, hein, qui devaient être loin sur les Alpes, voire même, pourquoi pas, du côté de la Suisse ou de l'Italie. Ces couleurs rosâtres, avec les traînasses d'avion, comme on dit par chez moi, qui se sont également colorées de rose avec le coucher du soleil, les magnifiques gorges de la Loire qui étaient splendides, avec un léger reflet qui se répercute dans l'eau, c'est splendide. Franchement, une magnifique composition. Merci infiniment, Bariol, pour cette belle photo. Et on va partir maintenant, là aussi, mais cette fois-ci, lever de soleil, pas coucher de soleil, grâce à la photo de Eric Artaud du côté de Noirétable. Lever de soleil estival, comme il nous dit, sur le Haut-Forêt. Et c'est vrai, il y a tout réuni pour les symboles de l'été. Un beau soleil, quelques petits nuages, mais également les magnifiques épis de blé bien dorés, bien mûrs. Ça, c'est... Ah ouais, c'est un symbole de l'été. Un été parfait. Et un été français. Voilà. C'est splendide là aussi. Très très belle composition. Et je pense que j'avais besoin de refaire mon fond d'écran de téléphone. Je pense que je vais m'en servir pour. C'est très joli. Merci infiniment, Eric Artaud, pour cette merveille. Et une nouvelle fois, merci à Blandine Bariol et Zoom 42 pour leurs photos respectives. Pour faire comme ces trois amis, vous le savez, vous pouvez envoyer vos photos et ou vos vidéos. Vous le savez, nous les acceptons. À l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, maintenant, eh bien, on va parler des choses qui fâchent, hein. On a connu un week-end dernier plutôt agréable, mais bien évidemment, ça ne peut jamais, mais jamais durer. C'est certain qu'avec cette première partie de week-end que l'on va avoir, ça s'annonce beaucoup moins agréable que le week-end dernier, puisque vous le constatez, malheureusement, la Loire sera coupée en deux avec une partie nord sous un ciel bien chargé quasiment toute la journée, et au sud, principalement en milieu et fin d'après-midi, prudence. Des déclenchements d'averses orageuses ne seront pas du tout à exclure. Il faudra surveiller ces orages qui pourraient être un petit peu forts en soirée. Concernant le vent, il sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest, avec des rafales qui seront comprises entre 20 et 30 km par heure. Du côté des températures, elles vont baisser par rapport à cette fin de semaine, avec une moyenne à 24 degrés. Malheureusement pour cette journée dominicale,
pas beaucoup de mieux. Certes, il n'y aura pas de pluie, normalement, mais le ciel va rester bien bouché avec seulement de rares éclaircies. Mais peut-être la bonne nouvelle, ce sera en soirée de ce dimanche où ces éclaircies devraient être un tout petit peu plus présentes. Concernant le vent, il sera modéré à assez fort de nord à nord-ouest, avec des rafales généralement comprises jusqu'à 50 km par heure, mais pourrait souffler un petit peu plus fort du côté du Pila, avec des pointes jusqu'à 70 km par heure. Côté thermomètre, ça va encore baisser, avec une moyenne à 20 degrés. Et non, ça ne peut pas durer. Franchement, on dirait que ça le fait exprès. Hein? On connaît un ou deux week-ends agréables, et puis après, boum. Ça y est, on est reparti dans la catastrophe. Bon, on va prendre. Hein. On va nous dire qu'il nous faut de l'eau. Donc, prenons l'eau qui va tomber. Prenons ces orages en espérant qu'ils ne seront pas trop violents, bien évidemment. Mais bon, j'ai l'impression que ça y est, là, maintenant que la mi-août va être passée, ça ne s'annonce peut-être pas aussi agréable que ce que l'on a pu connaître. De toute façon, est-ce qu'on a connu un été agréable? Pas tellement, hein, majoritairement. Donc on a l'habitude. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 17 août, 230e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les hyacinthes. Le lever du soleil se fera du côté de Firminy à 6h47 et se couchera à 20h46. Et j'ai un petit dicton pour cette journée du samedi. Qui, honnêtement, je pense que le créateur de ce dicton ne connaissait pas du tout le temps qui va être prévu pour ce samedi. À la Sainte Hyacinthe, on peut semer sans crainte. Ah ouais? Ah bon, d'accord. Ouais, donc ouais, il a pas vu dans sa boule de cristal le temps qui est prévu pour ce 18 août. Non. C'est clair et net. Il n'a pas vu du tout. Mais bon. Peut-être que pour d'autres, on ne sait jamais, ça peut être un temps idéal pour semer. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est un temps idéal, eh bien, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire en dessous de ce bulletin. Voilà. Place maintenant votre éphéméride du dimanche 18 août. 231e jour de l'année. Nous ferons une bise, il y a pas mal de monde, à toutes les Hélène, les Laetitia, les Léna, les Mylène et les Nelly. Le lever du soleil se fera du côté de Balbigny à 6h47 et se couchera à 20h46, comme la veille du côté de Firminy, les mêmes horaires. Il est l'heure maintenant de m'éclipser, de vous souhaiter un très très bon week-end. Malgré la météo qui est prévue, une bonne fin de semaine. Et nous, on se donne bien évidemment rendez-vous, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin météo complet. Ciao, bye bye, bon week-end!